Oui, bonsoir à mes fans de YouTube. C'est Ali Makaï de Marseille. Je sais pas comment vous dire ça, mais je viens de perdre ma tortue Ninette. Je pense qu'elle a eu une attaque cardiaque. Je viens de la perdre à deux aujourd'hui. Jeudi 9 juin à désolé, je fais que pleurer depuis cette nuit. Je viens de perdre la tortue qui m'a fait tenir debout avec tous les décès que j'ai eus. C'est grâce à ma tortue Ninette que j'étais debout jusqu'à maintenant. Là, je viens de la perdre. J'ai vu que elle répondait pas à mes massages cardiaques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, on est en plein mois de Ramadan. Et ça tombe super mal parce que j'ai envie de pleurer, mais j'arrive pas à. J'arrive pas à sortir mes larmes de mon corps. J'ai pleuré un peu quand je l'ai vu qu'elle était morte. Et j'arrive même plus à. Je suis bloqué dedans. Je sais même plus quoi dire. Je sais plus. Ma tortue, on est le jeudi 9 juin. Et elle est morte à 2h02 du matin. Demain matin, je vais appeler le vétérinaire chez qui je l'avais amenée parce qu'elle était tombée un peu malade, ma tortue. Elle était enrhumée. Et quand je l'avais amenée au vétérinaire, elle m'a donné des gouttes que je devais mettre dans la salade. Je devais lui mettre 10 gouttes dans les endives. Pour qu'elle prenne le médicament, pour qu'elle se soigne. Et je crois qu'elle était trop infectée, elle n'a pas supporté le sérum. Parce que la vétérinaire elle m'avait mis. Elle y avait fait une piqûre derrière sa carapace. Et jusqu'à maintenant, elle marchait, elle jouait avec sa main. Elle joue avec sa main et là, comme tout musulman, peut-être il y a des gens qui vont dire que je suis fou. Pour un décès comme une personne ou un animal, je l'ai lavé. Je l'ai lavé, j'ai fait la prière. J'ai fait la prière à ma tortue. J'ai fait les sourates en arabe. Et je l'ai mis dans le mouchoir blanc. Dans le mouchoir blanc jusqu'à que j'arrive chez le vétérinaire demain matin pour voir si je peux l'enterrer moi-même. Et sûrement si elle me dit oui, je vais l'amener à côté de mon père au cimetière. Au cimetière Vaudran, à la Valentine. Maintenant, sans ma tortue Ninette, je sais pas comment je vais faire parce que c'est grâce à elle. Avec tous les décès que j'ai eus dans la famille, c'est grâce à ma tortue Ninette qui m'a permis de m'occuper de elle et de rester debout. Quand j'ai perdu mon père en 2009, j'étais content de trouver ma tortue Ninette. C'est grâce à elle qui m'a remis sur pied. J'ai des larmes qui coulent à flot. Ma tortue Ninette, elle était très 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 très, très intelligente. C'était pas une tortue comme toutes les autres tortues. Même si maintenant j'ai sa main, même si j'ai sa main, ben, elle remplacera pas Ninette.
Ninette, elle était tout pour moi. C'était la tortue qui dormait avec moi. Elle dormait toute la nuit avec moi, à côté de moi, de mes lèvres. Je sais pas comment je vais faire. Sans Ninette, sans ma tortue Ninette, je sais plus comment je vais faire. Parce que je lui parlais, elle m'écoutait, je m'occupais de elle. Et quand vous allez voir pour eux qui m'ont suivi, qui vont voir mes premières vidéos, moi et ma mère, on l'a sauvé Ninette d'une famille qui lui faisait du mal. On l'a sauvé d'une famille qui lui faisait du mal. Ça fait plus que 12 ans que j'ai Ninette. Je voulais la mettre dans son panier. Je voulais la mettre dans son panier pour pas qu'elle ait froid le soir. Parce que des fois elle dort dans le lit avec moi, dans la serviette. Ou alors je la mets dans son panier. Et franchement, elle est morte cette nuit à 2h02 du matin. Et je sais pas, je pense qu'elle m'a fait. Je pense que par le microbe qu'elle est infectée dans ses poumons, elle était enrhumée, le vétérinaire m'a dit. Elle m'a dit qu'elle était enrhumée. Et il avait fait un sérum et un vaccin pour qu'elle se guérisse vite. Elle m'avait prescrit les médicaments. J'ai même les médicaments là. J'ai même les médicaments qu'elle m'avait prescrits. Le vétérinaire en bas de chez moi pour soigner ma tortue Ninette. Je vous montre. Il fallait que je lui mette 10 gouttes par jour dans les endives ou dans la salade. Et ça a servi à rien. Maintenant, même si j'ai ma tortue Sama, ça va jamais remplacer ma tortue Ninette. J'avais trop l'habitude avec elle. J'avais trop l'habitude avec Ninette. Quand j'ai eu des déceptions amoureuses, quand j'ai eu des déceptions amoureuses dans ma vie et des décès dans la famille, la seule personne que j'ai trouvée, c'est ma tortue Ninette. Je l'ai lavée. J'ai lié fait les sourates arabes comme si c'était une personne parce que je la considère pas comme un que pour ma simple tortue. Je la considère bien plus que ma tortue. Ninette, c'était quelque chose, elle était trop intelligente. Quand on arrivait des commissions, elle courait derrière nous avec ma mère. Elle courait avec nous, avec ma mère. Elle venait jusqu'à la salle de bain, à la cuisine. Elle nous faisait comprendre qu'elle avait envie de boire, de manger. Que tu reposes en paix. Voilà. Normalement, je ne devrais pas vous le montrer, son décès. Parce que je l'ai mis jusqu'à demain matin que je l'amène chez le vétérinaire. Pour voir si je peux. Si je puisse l'enterrer moi-même, ou carrément le vétérinaire qui l'enterre dans un cimetière spécial pour animaux, je retiens mes larmes, mais j'ai envie de me fondre comme pas possible. Voilà, je vous montre une note. Je vous montre ma tortue Ninette. J'espère que tu reposeras la tortue que j'aimais le plus au monde.
pendant le mois de Ramadan.